Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec ces 30 degrés qu'il fait à Lyon. Je meurs de chaud, je suis en train de transpirer comme un taré. J'ai vraiment... Je meurs de chaud. Mais du coup, comme il fait chaud, il fait beau. Et du coup, je viens vous parler de ces nouveaux produits. C'est les Glam Beige de L'Oréal. Et en fait, c'est enfin, genre, c'est un peu mon coup de cœur du moment. J'aime trop ces produits. Ça, vous les mélangez au fond de teint, ça donne vraiment un petit côté glowy. Et cette poudre-là, qui genre, c'est une poudre en fait du visage, mais qui a un petit côté pêche. Et en fait, du coup, ça va légèrement bronzer votre visage sans que pour autant ce soit orange. Et ça, je trouve ça génial. Bref, j'espère que ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, bah, continuez à regarder la vidéo. Salut! Donc, première chose, je vais appliquer, comme d'habitude, la base Infaillible Primer. Tout simplement pour lisser ma peau et un peu la matifier. Parce que, croyez-moi, vu la température qu'il fait sur lui en ce moment, on en a besoin. Donc ensuite je vais appliquer mon fond de teint et c'est le accord parfait en teinte ivoire rosé. Et comme justement c'est en été et je commence légèrement, même si je ne me mets pas au soleil, à prendre des couleurs ou du moins que ma peau devient un peu plus dorée, celui-là est un peu trop rosé. Et justement ce qui est bien, moi c'est que je le mélange avec le Glam Beige Healthy Glow en teinte light, donc c'est la teinte la plus claire, qui en fait a des sous-tons orangés mais plutôt pêche que orangé. Donc c'est des sous-tons qui vont pas faire orange, qui vont juste faire un joli teint allé. Et en fait c'est vraiment des super trucs, moi je trouve, pour aller un peu le teint sans que pour autant ça soit orange. Donc il existe en trois teintes que je vais vous swatcher juste là. Donc après gardez en mémoire que c'est quand même sur ma peau que je les swatch. Donc du coup les couleurs paraissent très foncées, mais sur la plupart des gens elles paraîtront juste normales en fait. Donc je vais appliquer des petites touches et je les mélange tous les deux en fait. Voilà, donc là j'ai appliqué des touches où j'ai mélangé les deux. Et je vais juste venir l'estomper avec un pinceau. Donc là, vous voyez qu'il, quand même, il est, enfin, j'ai un teint qui est unifié et en même temps, il est un peu plus doré. Il est pas genre orange ni quoi. Enfin, vous voyez que c'est bien ma couleur. Hein. Mais c'est juste qu'en fait, au moins, ça rajoute un peu de lumière à votre visage et ça va vraiment rajouter un petit côté glowy et très très lumineux justement pour l'été. Donc c'est plutôt cool. Donc ensuite, je vais utiliser la poudre Glam Beige. Donc en fait, c'est une poudre qui va avec les autres et elle aura le même effet. En fait, elle aura un effet vraiment Healthy Glow, donc en gros elle aura un effet très lumineux et en même temps rajouter un petit côté bronzé. Pour la comparer par exemple à ma poudre de tous les jours, c'est cette poudre là ma poudre de tous les jours, donc c'est ça que je poudre tout mon teint. Et en fait celle-ci, si vous regardez bien, elle a un petit côté un peu plus doré, elle est un poil plus orangée, mais c'est vraiment pas flagrant, c'est juste un petit côté pêche. Et du coup elle va apporter vraiment un côté vraiment lumineux à la peau. En plus vous avez un petit miroir. Donc moi je l'applique principalement, en fait, un peu comme j'appliquerais mon bronzer, mais plus largement. Genre, j'en applique beaucoup sur le front, parce que j'ai un grand front. Vous voyez, ensuite un peu sur les joues, comme ça. C'est très subtil, hein, ça se verra à peine. Et un peu comme ça sur la mâchoire. Cette poudre, elle existe aussi en trois coloris. Et du coup, il y a une couleur bien plus foncée, que je vais utiliser un peu pour faire pas du contouring, mais presque. Du moins, pour un peu bronzer mon visage. Donc, j'utilise un petit pinceau biseauté, comme ça. Et là, vous voyez, je fais vraiment en contouring. Donc, je réduis un peu la taille de mon front. Je dessine un peu l'ossature de ma pommette. Et le dessous de la mâchoire. Et comme d'habitude, un peu sur les ailes du nez et sous le nez pour le rétrécir. Donc du coup en fait avec ces produits ça rajoute vraiment, c'est un peu une nouvelle sorte de produit, c'est vraiment des produits qui vont faire en fait un côté plus doré mais sans que pour autant votre peau soit pour autant plus foncée et trop foncée justement. En fait là où en fait c'est bien pensé je trouve, c'est que ça va rajouter en fait un côté doré à votre peau. Donc si par exemple votre peau est plutôt rosée, ben juste en rajoutant un côté doré, ça lui donnera l'air plus bronzé sans que pour autant ben, ce soit flagrant et qu'il y ait une démarcation. Parce que là vous voyez, il n'y a pas de démarcation entre ma tête et mon cou. Voilà, donc je finis mon maquillage et je reviens tout de suite. Voilà. Donc là, je suis en train de mourir de chaud. Oui, j'ai mis beaucoup de maquillage. J'ai envie parce qu'aujourd'hui, je vais au Elle Active de Lyon. Du coup, j'avais envie de beaucoup de maquiller. Donc là, je vais aller, je sais pas, prendre une autre douche ou je sais pas. Parce que là, il doit faire 26 degrés dans mon appartement. C'est ou 30 degrés, c'est insupportable. Bref,
J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'aime beaucoup vraiment, enfin, en tout cas, la poudre et ce petit truc mélangé au fond de teint. Je l'utilise vraiment tous les jours parce que je trouve que ça permet d'adapter bien le fond de teint. Et vous pouvez aussi le porter seul, ça fait juste un effet bien lumineux sur la peau sans couvrir beaucoup. Mais moi, vous savez que j'aime bien beaucoup ce couvrance, donc voilà. Il ne me reste plus que vous dire à la prochaine. Et si vous voulez vous abonner, c'est juste ici. Tous mes réseaux sociaux seront à la fin de la vidéo. Et voilà, salut!